Hello tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo rapide avec le colis de chez Disney Store qu'on a reçu. Et du coup, on fait la petite vidéo avec les petites lunettes de Noël qui viennent de chez Action. Donc c'est un peu... C'est pas pratique avec des lunettes, mais... Par-dessus. Sinon, c'est sympathique. Par contre, ça fait du plastique, les barres. On a trouvé ça sympa. On s'est dit, on va les mettre pour faire une vidéo spéciale Noël. Donc, du coup, c'est parti. Là, c'est un gros carton, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Ça fait que de glisser. Non, mais ça fait mal au nez. Non, mais moi, ça fait que de glisser. Ça tient pas. J'ai une paire de lunettes en dessous. Moi, ça me brûle le nez. C'est bien attaché. Hein. J'ai jamais réussi à ouvrir un carton sans. En fait, quand j'ouvre un carton avec un truc comme ça, genre ça s'arrache toujours en deux. Ah bon? Ouais. Sur les compotes là. Bon, du coup, on a un joli dessin à l'intérieur. Comme tous les ans, à colorier. C'est tout autre. Voilà, c'est spécial Noël du coup. Ouais, mais l'année. Quand c'est en milieu d'année, c'est un dessin aussi à colorier, mais c'est pas. C'est un autre modèle. Ouais, il y a plein à l'intérieur aussi. Ouais, les sucs sont super jolis, leurs cartons. Il y a plein de dessins de Noël à l'intérieur. En plus, on peut s'amuser à colorier tout le carton. Oui. Alors. Du coup, il y a un petit papier comme ça pour protéger. Bon, moi, il était juste posé dessus. Donc, c'est pas vraiment protégé, on va dire. Il n'est même pas emballé... Alors, ça, c'est la petite facture. On a les prix dessus, ouais. Alors, du coup, pour mon fils, pour Noël, du coup, je lui ai pris une clé mystère de chez Marvel. Donc, du coup, il y en a 6 à collectionner. Par contre, si vous avez des enfants dans le parage, dans les parages, vaut mieux pas... montrer la vidéo parce que voilà, donc du coup ça se présente comme ça. C'est la de Infinity Saga. Bon, bah du coup nous on va regarder laquelle on a eu parce que l'autre jour elle était pas très belle. Bah l'autre jour c'était la collection Jack machin là. Oh, non, l'étrange Noël de Jack. Et ouais, nous, on est tombé sur la clé mystère où il n'y a pas la photo en dessin. Donc, c'était vraiment la surprise totale. C'était moche. Ouais, bah j'ai réussi à les changer, heureusement. Ouais. Enfin, je l'ai revendu. Ah oui, du coup, c'est dans un sachet, comme ça. Bon, bah du coup, je vais ouvrir un tout petit peu pour pas gâcher le cadeau. Moi, il n'y a pas de sachet comme ça. T'avais pas de sachet, toi? Non. Bah si. Non, moi non. Je sais pas si ça s'ouvre là ou... Au pire, tu enlèves le sachet. Bah, pff, ouais, mais non, je vais le laisser quand même. Mais il n'y a même pas d'ouverture, en fait. Donc, bah, on va enlever comme on va pouvoir. Hein. Il me fait demander pour s'ouvrir. Bah, on le dira après. Oh, mince. T'as pas des ongles? J'arrive pas. Non, avec les dents. Je crois qu'il va falloir qu'on prévoie d'emmener un ciseau parce que... À chaque fois, on est un peu embêté. Là, je pense que tu peux oublier de laisser le papier dans la boîte. Ouais, là, je pense que ça va être une catastrophe. Ah, j'aperçois du violet. C'est laquelle, la violette? Celle-là. Oh non. Je sais pas s'il va aimer. Hein. Mais, oh. Tu baisses la tête, elle tombe. Alors, oh, du coup, c'est la collection Wakanda Forever. Je sais pas du tout c'est quoi. Tu connais toi? Cool. Wakanda Forever. Non, c'est quoi le dessin? Par contre, la qualité des clés, elles sont vraiment pas terribles. Hein. L'impression, elle est vite fait. Donc il a eu celle-là. Enfin, on a eu celle-là. Ah, on voit pas bien. Bah, je vais vous montrer moi. Mais ouais, on dirait limite que le dessin il s'arrache quoi. C'est bizarre.
Donc, du coup, c'est celle-là. Donc, je sais pas c'est quoi, on dirait un bonhomme avec un masque. Bon, en tout cas, ça vient de chez Marvel, donc voilà. Au pire, s'il aime pas, il te la passera. Mais ouais, je suis un peu déçue, j'aurais voulu plutôt celle d'Iron Man ou. Celle-là. Ou Groot. Parce qu'il aime bien Groot. Il y avait Groot. Par contre, regarde, là, c'est marqué qu'il n'y a pas de clé. Oui, bah, c'est une mystère, celle-là. Elle est grise, quoi. Tu vois pas c'est quoi. Et par contre, la rouge, c'est Great Test. Je sais pas quoi. Et l'autre, c'est Higher, Further, Faster. Il y en a, je sais pas trop ce que c'est. Donc, je connais pas tout Marvel. Donc, bah, du coup, on verra bien. Quand il ouvrira à Noël, s'il décide de la garder ou s'il veut la donner à sa sœur ou même la vendre. Alors du coup, elle a coûté... Les Marvel, elles coûtent 6,50€. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres Marvel d'une autre série. Et je crois qu'elles étaient à 7,50€ celle-là. Oh... Donc ensuite, on a pris une peluche Mickey. Ouais, c'est Mickey. Ouais, je crois que c'était Minnie. Bah non. Donc il s'est mis en pyjama de Noël. Donc ouais, c'est les collections de Noël. Donc il y avait Mickey et Minnie. Bon, il a des chaussons, mais on peut pas les enlever. Ah ouais, c'est des petites pantoufles, elles sont super mignonnes. J'avais pas vu sur... Il a mis son petit costume de Noël. Il a un petit coton. Ah oui, c'est une souris. Et du coup, ouais, en version mini, en fait, elle a des grands cils, là, et puis il y a un nœud dans le coin. Mais regarde son bonnet, Mais je trouvais que ça faisait pas joli non, ce bonnet, avec le pyjama. Le pompon, il peut pas, ils l'ont attaché derrière. Et du coup, est-ce qu'il a un habit en dessous? Non, c'est le pyjama, il est remonté jusqu'au haut, en fait. Mais il a poil. Non, mais... Et donc, regarde. Du coup, elle mesure... Elle est pas très très grande. Au moins 30 cm, non. C'est pas marqué. Bah, elle est pas non plus grande, hein, mais si on met ma main à côté, voilà. Elle fait genre 3 mois, quoi. 2 mains et demi. Ouais. Mais en principe, moi, je pense que c'est 30 cm. Oh, c'est au moins 30 cm. Il n'y a rien qui est écrit en fait. Tout est en chinois, en anglais. Donc, c'est du coup, bah, elle ira rejoindre ma petite collection derrière. Et pour celles qui me demandaient, tout vient. Toutes les mini là viennent de chez Disney Store. Mais attends, il n'y avait pas de Mickey dedans. Non, j'avais pas de Mickey encore. Tu vas la mettre où? Bah, au-dessus du nounours là-bas. Oui, il y a la voiture. Bah, je vais la redescendre d'un cran. Ouais. Donc ouais, là, l'espace commence à être vraiment limité. Et encore, j'ai pas... Tout. J'ai pas toute la collection. Et du coup, il y en a 12 en tout. Une par mois. C'était une par mois, ouais. Et c'était la collection sur le thème des attractions. Il t'en manque 2. Plus que 2. Bah, j'ai pas 10. Eu celle de l'espace, de Space Mountain. J'ai pas eu Peter Pan. Ouais, Peter Pan. Pocahontas, t'as eu? Pocahontas. Ils l'ont pas fait, Pocahontas. Si, je crois que tu m'as dit qu'il l'avait faite. C'est laquelle avec la robe arc-en-ciel là? Non, alors ça c'était. La robe arc-en-ciel c'était à l'occasion de. La journée mondiale pour. Les homosexuels. Donc faut pas la compter en gros. Non, ça fait pas partie. Pareil, celle qui est au bout là-bas. Avec les pieds rouges là qui dépassent. Celle-là on l'a achetée à Paris directement. Donc c'est une spéciale Paris. Il y a marqué Paris, je t'aime dessus. Ouais, celle-là. Et l'autre à côté, la petite, là, je sais pas si on voit, c'est là en mode licorne. Et celle-là, pareil, elle vient du site, mais ça fait pas partie de la collection. En plus, elle est belle, celle-là. Donc, du coup, la peluche, elle a coûté... Elle était en promo, enfin, elle y est toujours, je pense. 18,13€. Alors, 13 centimes, je sais pas pourquoi, mais bon. Donc, il y a Mickey et Minnie. Elle a un petit... Enfin, elle a une robe, ça, c'est un truc qui brille. Elle a un... Un doudou. Ouais, un doudou avec une corne. Ouais, celle-là, elle est vraiment trop belle. Ouais, j'adore celle-là. Et aussi celle de Paris. Hop.
Et donc, du coup, le dernier article. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait là-dessus ? Bah, c'est pour la protéger. Ah ouais, elle est magnifique. Par contre, il y en a, ils l'ont reçu, le dessin était imprimé à l'envers. Donc, moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu la bonne. Elle est mieux imprimée que la Marvel, je trouve. Ouais. C'est Belle et la Bête. Donc, du coup, ça, c'était la clé qui était offerte pendant 2 jours seulement. Pour 20€ d'achat, et vous la mettez dans le panier. Donc, c'est pour les 30 ans de La Belle et la Bête. Et comme moi, je suis fan de ce dessin animé, là, j'ai sauté sur l'occasion pour l'avoir. T'as sauté sur le téléphone pour la choper avant le... Du coup, nous, on commence à avoir une bonne collection de clés. On en a plusieurs. Moi, j'en ai deux. On a là-haut, on a... Toy Story, on a les princesses. Pluto. On a Mickey, on a Pluto, on a celle spéciale 2021. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une Star Wars avec Yoda, on a une Marvel. Et on a quoi d'autre ? Une Belle et la Bête du coup. Toi, t'en as deux, c'est quoi ? Bah, j'ai. Tu sais, c'est la blanche là. Une blanche ? Ouais. Mais c'est qui ? Bah, je sais pas en fait. Bah, t'as la 2021, toi. Oui, je crois, voilà. Et après, t'en as une autre. Bon, puis du coup, on avait celle de l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais comme elle était pas très belle, c'était la mystère. C'est de Jack ou de Monsieur Jack ? On l'a revendue. Je sais plus, j'ai un doute du coup. Je crois que c'est Jack. Ouais, bah. C'est pas grave. Donc voilà, on vous la remontre un petit peu de plus près. Moi, ce que je préfère, en fait, c'est le dessin. Je sais pas si on va bien voir. Et en fait, le... Beauty and the Best, il est en écriture dorée, ça brille. Avec la petite étiquette. L'étiquette, elle est vraiment belle. D'habitude, je les garde jamais, mais je pense que là, je vais la laisser dessus. Bon, il nous l'a gardé sur celle de... Bah après, les étiquettes, ça prend de la valeur. Si tu laisses avec, c'est... Si tu veux la revendre. Nino, il a celle de Mandalorian. Ouais, bah c'est avec Yoda. Je vais t'en voir ça. C'est Yoda, oui. Donc du coup, voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer la réception de notre colis Disney. Et du coup, bah, on vous dit à bientôt, on espère que ça va vous plaire. Et bah, on vous fait des bisous et puis... Et voilà, ma... Non mais... Qu'est-ce que t'as fait ? Il y a le S qui s'est décollé. Oh non ! C'est parce qu'il y avait un film décollé. Elles vont pas arriver à temps jusqu'à Noël. Regardez, il se décolle. C'est le S. Bon, du coup, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye.